du havre. T'as une havre? Excusez-moi. 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 Je suis dépassée. Excusez-moi. J'ai appuyé un truc, ça m'a rendu compte. Ça a coupé. Excusez-moi, vraiment. 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 Vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Je n'ai pas envie de... Moi, je sais, quand quelqu'un est décédé, et là, je ne dis plus rien. Je me tais face à ce que le Seigneur dit. Vraiment. Revenez, pardon. Tata Nara, reviens, ma mère. Reviens, ma grande soeur. Reviens, ma chérie, pardon. Viens intervenir. Ça, j'ai appuyé. Je suis tellement troublée. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà l'autre fille qui est en train de dire là-bas que c'est chaud. Ce sont des filles qui n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête. N'écoutez pas les gens qui le peuvent apporter. Bonjour, Eve. Bonjour, je vais muter pour que tu parles. Oui. Vraiment, ce matin, vraiment, je suis vraiment touchée. Vraiment, je suis touchée. Franchement, Facebook, non. Même comme demain, on avait les teams, on détestait les uns les autres, vraiment. Vraiment. C'est vraiment touchant pour la mort que j'ai appris là. Donc, ça veut dire qu'on pouvait, donc à cause des problèmes de Facebook, quelqu'un pouvait tomber comme ça. Ouais, ça m'a fait mal quand tu pleurais. Marie, je suis là, tous les gens disent que nous sommes dans tête, si on supporte telle personne, vraiment la tête, si c'est vanité de vanité. Pardon, je voulais demander à mes frères et sœurs, il faut qu'on arrête ça, on arrête tout ça. Voilà quelqu'un qui est tombé, on ne sait pas demain qui doit tomber. On arrête la reine là. Vraiment, t'es vu pleurer ce matin, ça m'a beaucoup touché. Touché, tu as vraiment le cœur. Malgré tout ce qu'on parle là, quand j'étais venue pleurer ce matin. Eh hey, Seigneur, non. Il faut vraiment qu'on arrête tout ça. Arrêtons tout ça. Voilà l'ambé qui est passé dans le direct de papa Messa l'autre jour. On savait qu'il devait tomber. Je ne vais te bloquer parce que je ne permets pas. Parce qu'on a parlé mal d'un mot. Je ne permets pas ça dans mon live. Elle n'a pas dit ça tout à l'heure. Moi, je vais te bloquer. Et pardon? Pardon, rêve. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à l'autre dame. On n'a pas insulté un mort. On n'a pas insulté Non, depuis que je suis le direct, on n'a pas insulté un mort. Non. Putain, la dame qui est passée, elle a donné que les conseils. Elle a suivi le direct. Même si on a le cœur n'importe comment, on peut insulter un mort. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Eh, Seigneur. Non, sur Facebook, si. Ah, non. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, non. Je vais me décolleter Facebook, si. Franchement. Franchement, pour tous les gens qui mettent les organes en Facebook, sinon. Non. Rêve, pardon. C'est ce que je voulais te dire. Depuis là, je n'ai pas suivi à ton direct parce qu'il y avait les coups d'études. Maintenant, j'ai compris que la vie, c'est rien. Nous tous sommes les Africains, les Camerounais. Donc, on ne peut pas peut-être détester quelqu'un jusqu'à au point de non, vraiment. Il faut que vraiment tous les blogueurs, là, ils entendent, ils se réunissent. Même s'ils ne sont pas obligés d'être copines. Mais n'importe qui reste sur sa place, il fait son blog comme il faut, oui. On laisse un peu tous les problèmes, les injures, on laisse ça. On ne laisse ça à rien. Parce que tu vois, peut-être, ça peut arriver quand on commence à parler mal de toi, à diffamer ton nom. Tu parles, tu te couches au lit, la tension te prend, tu cales au lit. Mais ça, c'est quoi ça? Hier, que l'ambé était chez moi, mais ça. Oh Seigneur Jésus, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Non, il fait vraiment qu'on arrête ça. On arrête ça. Sandra, tu veux parler, tu parles. C'est ce que je voulais dire. Coucou, Rêve, bonjour. Maman, détends-toi, ma soeur. C'est quoi? C'est quoi? Faut pas pleurer, ma. Faut laisser. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu a fait là, c'est pour montrer l'exemple aux autres. Oui, oui. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Oui, moi, oui. Je veux la paix entre vous.
S'il vous plaît, de grâce, arrêtez. Vraiment, le clash, c'est pas déjà trop loin. Ça pas déjà Mais, trop loin. Je parle parce que j'ai les larmes aux yeux. Pardon. Rêve pas. Pardon, ma soeur. Tu es une très bonne personne. Le fait que tu fasses en larmes, là, vraiment. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. Ne me fais pas pleurer. Ça, c'est quoi ça? Arrête. Non, fais ce que la guerre. Pardon. Arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît, Rêve. Même si on dit quoi, maman, reste la tête haute, sors dans ça, maman, sors dans ça. Et te dis encore merci d'être à côté de Tata Lolo. Merci, Dieu a frappé ce monsieur pour montrer l'exemple à tout le monde. Que quelqu'un peut mourir à chaque moment, à tout moment. La guerre ne paye pas, maman. La guerre ne paye pas, maman. La guerre ne paye pas. Pardon. Restons dans la paix. Même si on n'aime pas, même si on ne s'aime pas, que chacun reste de son côté et on arrête la guerre. Rêve, ne pleure plus. Ne pleure plus. Je sais ce que ça fait. Arrête de pleurer. Tu es humain. Je sais que tu es humain. Désolé, ce qu'il avait dit tout à l'heure là. Isaac, entends-toi, arrive. Isaac, arrête. Isaac, entends-toi, arrive. Non, maman, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Faut pas. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Parce que tu vas dire un truc comme ça et demain, si elle ne se relève pas, comment tu vas te sentir? Comment c'est tu vas ça. Te sentir? C'est ça, maman. C'est ça. Elle fait les bêtises, elle fait ce qu'elle fait, mais ça ne veut pas dire qu'on doit lui promettre la mort. Elle a une famille, elle a des gens qui l'aiment, même si toi tu ne la supportes, il y a des gens qui l'aiment oui, beaucoup oui. aussi. Donc il faut vraiment que. Aujourd'hui, là, même j'ai pitié que de la dame qui vivait avec lui là, parce que je connais les Camerounais, tous les Camerounais ont commencé à mal faire. Pourtant, c'est pas ça. Donc le problème c'est qu'il faut seulement qu'on calme la fête. Donc Dieu, comme la fête vient de parler, Dieu sait pour qui il a fait ça. Donc pour dire aux bourgeois camerounais que vous avez vu, non, demain vous pouvez rester au lit, vous caler sur le lit comme ça. À cause de petits problèmes comme ça. Là. Que vous devez venir en Europe par détail. Est-ce que vous devez venir en Europe parce que vous devez trouver telle personne en bain? Vous devez venir en bain, vous cherchez. On n'est pas venu en bain créer les problèmes entre les uns et les autres. À cause de petits trucs comme ça, tu es quoi? Je suis comme ça, je suis milliardaire. Voilà l'ambe aujourd'hui qui est parti. Même s'il était milliardaire, il devait partir avec tout l'argent là. Non. Ouais, vraiment, c'est aujourd'hui que j'ai vu que Marie, tu sais qu'on parle des réseaux. Tu as vraiment le cœur d'une maman, vraiment, franchement. Depuis que la mort est sortie, il n'y a pas encore une blogueuse placée l'appareil comme ça fait. Non, vraiment. Mais ne pleure plus, ma mère. Ne pleure plus. Tu peux seulement. Il faut arrêter tout. Arrête tout. C'est pas parce que tu as peur de quelqu'un ou quoi. Arrête tout. Même Tata Lolo, vous arrêtez tout. Vous restez dans votre coin. Les injures n'ont jamais sauvé quelqu'un dans la vie. Là. On n'a jamais donné le trophée à quelqu'un qui a insulté quelqu'un. Jamais. Jamais de la vie. Toi, tu as tes enfants. Si aujourd'hui tu fermes les yeux, qui va s'occuper de tes enfants? Tu connais Benti. Si aujourd'hui tu fermes les yeux là-bas, en Allemagne, ils vont venir prendre tes enfants. Hein? Oui, oui. Ils vont venir prendre tes enfants. Qui va t'occuper de tes enfants? Personne. Donc, arrêtons ça, pardon. Arrêtons la mort, là, vraiment. Non, non, non. Ça ne sert pas de leçon aux gens, non. Bête, ça, c'est quoi, ça? La vie, sinon. Non. Rêve, tout à l'heure, quand je suis montée dans ton direct, je te disais qu'on se surestime tellement. On se dit on est très fort. On peut bagarrer contre le monde. On peut faire des choses, mais notre cœur n'est pas si fort. Il n'est même pas fort. Moi, je vais te parler, peut-être quelque chose que j'aurais peut-être pu te dire, peut-être en off, mais je vais le dire ici, peut-être ça peut sensibiliser les gens. Je ne suis pas une victime des réseaux sociaux, mais je suis une victime d'un acharnement. Et je me suis mise en tête que je devais bagarrer contre le monde. C'est le genre, tu vois, tu arrives dans une famille, les gens commencent à mesurer de toi, tout le monde, en fait, on te met à un niveau qui n'est pas le tien, personne ne connaît ta vie, mais les gens racontent des choses qui ne sont pas vraies, un peu comme ça se passe sur les réseaux sociaux. Même les gens qui ne me connaissaient pas, moi, j'entends que je passais en route, quelqu'un parle de moi sans me connaître, et j'entends. On m'a mis plus bas que terre. J'ai dit, je me lève comme une lionne et je vais bagarrer. Et j'ai bagarré, sans blague, j'ai bagarré, j'ai utilisé toutes mes forces, sans savoir que j'étais en train de me ruiner.
Rêve un matin, je me lève, je vais au travail. Je vois flou, j'ai des vertiges, je vais voir le médecin à mon bureau. Dès qu'elle me prend la tension, j'avais une tension à 22. Elle m'a demandé comment j'ai fait pour arriver au bureau. J'ai dit, j'ai conduit. Elle n'en revenait pas. J'avais une tension à 22. Je ne savais même pas que j'étais hyper tendue en ce moment. Elle m'a envoyée à l'hôpital. Je suis partie. Les médecins me regardaient comme une extraterrestre. Ils ne comprennent pas. Est-ce que je n'avais pas des signes? J'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'expliquer, bon, mais sans plus. Et je te dis, au jour d'aujourd'hui, je suis hyper tendue chronique à moins de 40 ans. Les médicaments que je bois sont 4 fois plus que ce que ma maman sent. Et je les prends tous les jours. J'ai un côté de mon corps qui est presque paralysé. Parce que je me suis dit, je peux bagarrer. Alors que j'étais en train d'appliquer quelque chose de moi que je ne pouvais pas gérer. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, que ce soit qui vous êtes, toi-même qui es là, quand tu es devant la caméra. Tu dis, je vais te lâcher, je vais répondre, j'ai la force, mais tu ne sais pas ce qui se passe en toi encore. Tu te suis aussi. Et c'est la même chose pour les autres blogueurs. La mort ne prévient pas. Nous sommes toutes et tous faibles. Nous sommes faibles. On se croit fort comme ça, mais nous ne le sommes pas. Il faut qu'on se rende à l'école. C'est très important pour nous. On peut blaguer, on peut se faire le game comme vous le dites souvent sur la toile, mais vraiment, il ne faut pas qu'on extrapole. Il ne faut pas qu'on extrapole parce que toi, tu ne sais pas ce que l'autre peut supporter. L'autre ne sait pas ce que toi, tu peux supporter. Alors, à un moment donné, il faut qu'il y ait des limites. Vraiment, je vous exhorte. Moi, je vous en supplie. Ça me fait tellement mal aujourd'hui. Je ne monte pas souvent dans le live. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Et j'imagine que beaucoup d'autres sont dans ton état, même si elles ne veulent pas mon dos divin le montrer. Il y a des gens qui sont dans le regret aujourd'hui à cause de ce monsieur qui est décédé. Il y a des gens qui ont fait des posts pour encourager ce monsieur à clasher et qui sont dans le regret aujourd'hui. Il y a des gens qui l'ont supporté. Il y a des gens qui lui ont dit, vas-y, elle est si, elle croit qu'elle est milliardaire en carton. Vas-y. Mais les gens ne savaient pas que lui n'est pas assez fort pour supporter ce que lui-même il ramène sur la toile. Donc vraiment, mes soeurs, mes frères blogueurs, je vous en supplie. Nous sommes tous Camerounais. Personne ne pourrait être la mort de l'autre. Et en plus, certains de vous ne vous connaissez même pas. Vous ne vous êtes même jamais vu. Jamais vu. Mais on va créer des histoires, on va raconter des choses sur les gens. Ça fait très mal. Vraiment, moi, c'est ce que je voulais te dire. C'est une très belle personne. J'ai vu quand Compesso avait perdu, je crois, son neveu, tu avais dit, je dépose les armes. Et ça m'a fait comprendre que tu es une belle personne. C'est ça, en fait. Tu ne la détestes pas. Tu réponds juste à ses attaques. Tu ne la détestes pas. Tu ne détestes personne. Je déteste personne. C'est une trop belle personne. C'est normal que tu pleures. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer, ça fait du bien. Je pense que tu dois pleurer. Tu pleures. Ça va te soulager. Mais après, tu pleures. Il faut bien que tu te dises, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important que tu pleures? Est-ce que tu penses que là, c'est important? Ça vaut de l'énergie, ça vaut beaucoup du temps, ça vaut... Tu vois, des fois, tu es en train de dormir, tu te réveilles, tu vois un truc, boum, tu lances ta caméra. Non, il faut que je réponde, non, il faut que... Mais posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Quand il commence à avoir des morts de mort, posons-nous les bonnes questions. Juste pour attendre. Combien vont te... Donc moi, c'est ce que je voulais te dire. Reprends-toi, ma soeur. La vie ne tient pas à Facebook. La vie, elle est ailleurs. C'est une très belle personne. Il ne faut pas que tu doutes un seul instant. C'est une très belle personne. Excusez-vous, madame. Chez nous, les Américains, souvent, quand quelque chose est arrivé, il y a souvent les signes. Vous vous rappelez quand ils voulaient passer dans le duel et papa met ça. Ils ont tout fait pour qu'ils passent à l'audience visio, ça ne donnait pas. Oui.
Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà.
En tout cas, les filles, moi, je ne veux pas traîner. Je vais aller travailler. Ce que je peux dire, c'est. On va. Je sais qu'il va tomber bien. Je vais aller travailler. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut que souhaiter les condoléances et puis la tristesse à la famille. Moi, je ne tire sur personne. Et je m'en fous de ceux qui vont tirer sur nous. Moi, je ne tire sur personne. Et je ne parle pas avec des personnes décédées. Quand tu es décédé pour moi, tu as raison sur tout. Quand tu es décédé pour moi, tu as raison sur tout. Je te laisse. C'est-à-dire que je n'ai pas de reproche quoi que ce soit de faire. Ça passe une fois. Ça passe une fois, s'il vous plaît. Bon, je vais arrêter ce soir, mais c'est pas mon parent. C'est mon père. Donc, je veux dire, ce qui est bien, ce qui nous est bien, quel que soit ce que les gens vont dire, nous, on reste quel que soit. Bonjour ma reine chou. Bonjour ma sisto d'amour. Bonjour ma rêve. Je vais buter pour qu'il n'y ait pas de coup. Ok ma chérie. D'accord. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour la Russie. Bonjour c'est Tata Naila. Bonjour la Lolopodia qui fait trembler les cœurs et la toile. Je me réveille ce matin parce que voilà, c'est mon seul jour de repos. Malheureusement, ici, nous, ça bosse. Après, j'ai 6 jours d'affilée. Donc, du coup, je me connecte sur Facebook. J'avais eu déjà tellement d'appels. Je dis que qu'est-ce qui se passe encore? J'apprends donc le décès. Au début, comme il faut faire attention à ce qui se passe sur les réseaux, je ne savais pas si c'est vrai. Après, j'ai eu la confirmation, tout ça. Moi, rêve, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je t'ai toujours dit ici que je vais faire ce témoignage aujourd'hui parce que ça fait un moment et je suis plus trop dans les bêtises de Facebook. Je me retrouve plus dans les choses un peu plus sérieuses parce que Facebook, vraiment, c'est la bassesse. Donc, c'est pour ça que je n'apparais plus. Je fais les cœurs, j'envoie, je partage quand c'est bien et ça s'arrête là. Mais je ne me... Des histoires de Facebook, ça ne m'intéresse plus trop. Voilà pourquoi est-ce que j'avais décidé de ne plus trop... Enfin, ne plus trop regarder ce qui se passe en fait. Mais là, il fallait que je fasse ce témoignage et il fallait que je vide mon sac aujourd'hui. Je pense que c'était important. Ça a été vraiment la goutte d'eau aujourd'hui parce que je vais t'expliquer. Tu sais, ma rêve chou, depuis que j'ai fait la paix avec ta sœur Lolo, j'ai eu des attaques ici. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé des groupes écans juste parce que je disais, Lolo, c'est ma sœur, on a fait une paix. Et tu sais, nous les écans, je ne sais pas faire semblant. Je n'ai pas le temps pour ça. Ich habe keine Zeit dafür. Je n'ai pas le temps de faire la paix avec quelqu'un quand c'est hypocrite. Non,
Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je te le dis en face. Tu prends, tu ne prends pas, j'en ai rien à secouer. Quand je t'aime, je t'aime. Et je t'aime d'un amour vrai et sincère. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes en retour, forcément. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton amour? Ton amour va m'apporter quoi? Moi, je t'aime parce que j'ai mes raisons pour t'aimer. Au début, j'ai toujours aimé Lolo. Et je l'avais toujours dit, même à ta Aline, j'ai toujours dit que moi, j'appréciais beaucoup Lolo. C'est depuis le début. Et Lolo a été la première blogueuse que j'avais découverte sur YouTube. J'avais aimé sa classe, j'avais aimé son franc-parler, j'avais aimé comment est-ce qu'elle se présentait. J'ai aimé Lolo dès la première fois quand j'ai vu ses vidéos sur YouTube. Donc, c'est après, ce qui nous a apporté d'abord en conflit, c'est l'histoire à cause des histoires de Bami Pawa et tout, et comme tu connais, je ne vais pas revenir dessus, mais la seule chose que moi j'avais reproché à Lolo, c'était ça. Mis à part ça, je n'avais rien à reprocher à Lolo. Elle avait nous aussi, on était dans le game. Comme j'avais dit, on est dans le game de Facebook, quand elle s'attaquait, les histoires et quand. Moi aussi, je venais, tout le monde, on se jetait les balles, on était en zone de guerre. Oui, ça, c'est le passé. Mais depuis que j'ai fait la paix avec Lolo, elle est sincère. Et elle est sincère du plus profond de mon cœur. Je n'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, de gauche à droite, devant, derrière. Ma rêve chaud, quand je me suis rapprochée de toi, il fallait voir les jalousies. Mais purée, mais c'est quoi votre problème? Pourquoi quand c'est Vasquez, ça fait trembler tout le monde? Moi je ne comprends pas. Hein. Tout le monde a le droit de parler à tout le monde. Mais le fait est que j'ai commencé à parler avec toi, parler avec Lolo, je te dis que j'ai eu des foudres, les écans. Pas possible. Les menaces, on me menaçait de partout. Oh, sans personnalité, il faut voir comment ils sont. Sans personnalité, ils vont te dire, oh, tu es drogué. Des histoires à dormir de moi. Une cadre infirmière peut prendre l'alcool, prendre la drogue. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Celle de Hortense, quand je vais prononcer son nom, rêve, je suis désolée, hein, il faut que je le fasse. Parce qu'il faut que je me libère. Celle de Hortense Coco, elle a commencé à faire des attaques. Derrière. Je n'ai jamais réagi, rêve, jusqu'à présent. Ça fait près de un an que je n'ai jamais réagi. J'ai fait la paix avec Lolo, c'était il y a 2 ans, parce qu'on est déjà en 2023. Il dit que depuis là, je n'ai plus jamais parlé à cette sorcière-là, cette poufiasse qui se balade comme le mauvais esprit. Parce que dès qu'elle voit que je suis bien avec quelqu'un, elle va faire l'amitié. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je ne dors pas avec les amitiés de Facebook. J'en ai rien à secouer. J'ai ma vie. J'ai mes vrais amis dans la vraie vie. Qu'est-ce que j'en ai à secouer des histoires de Facebook? Si tu m'apprécies, moi, Marthe Chopard, c'est une maman avec qui je parle dans mon inbox. Je ne considère pas les gens avec qui je fais les petits cœurs sur Facebook et après, on ne parle plus jamais ensemble. Je ne les considère pas, ce ne sont pas des amitiés. Je suis désolée. Donc, autant ce coco, depuis que j'ai fait la paix avec Lolo, il fallait voir. Je suis désolée. Hein. Ça la pique. Et qu'elle peut mourir, c'est son problème. Parce que les personnes qui me côtoient, ce ne sont pas les Niama Niama. Elle, c'est une petite poufiasse des sous-quartiers qui cherche la visibilité, qui cherche partout à se faire voir. Moi, je n'ai pas besoin. Les gens m'apprécient naturellement parce que je suis vraie. Je suis une place. Et tu vas voir, je suis toujours avec les mêmes gens, les mêmes personnes. J'ai apprécié Lolo d'un bon cœur. C'est-à-dire que c'était une femme que je trouvais qu'elle avait de l'envergure et elle avait du charisme. Et c'est pour ça que j'ai apprécié Lolo. Parce que quand elle se mettait pour défendre le Cameroun, en mouvement, j'avais la chair de poule. Il n'y avait personne qui pouvait défendre le Cameroun comme Lolo. Quand il y avait les histoires ici, il fallait voir quand elle se place devant la caméra. Tu es fière d'être Camerounaise. Et que Lolo m'a redonné encore cette fierté d'être Camerounaise. Parce que dès que je regardais les directs de Lolo, purée, je me dis que waouh, vraiment, Lolo, tu es quelqu'un. Ça me redonnait encore cette niaque que dire que yes, Cameroun, ayop. Et c'était grâce à Lolo, c'était pas aux autres blogueuses que je ne suis pas. Je ne suis pas l'autre crapule de l'île. Je suis désolée. Je ne suis pas celle de Papère. Je ne suis personne. Lolo, c'est celle que j'ai toujours suivie. Malgré nos divergences d'opinion, je l'ai toujours suivie et je l'ai toujours appréciée. Que les gens qui sont jaloux, qui peuvent mourir de cette paix que j'ai faite avec Lolo, qu'ils aillent se pendre. J'en ai rien à foutre. Quand j'ai perdu mon père ici, j'ai vu la méchanceté de certaines personnes. Je suis désolée, hein, rêve. Je sors aujourd'hui pour dire que l'histoire de Lambert, l'histoire qui se passe là, c'est le karma. Je suis désolée, pas son âme, je n'avais rien contre lui. Mais quand il avait fait sa sortie, j'étais l'une, parce que je parle beaucoup avec Marthe Chopard. Et quand je parle avec Marthe Chopard, on dure des heures au téléphone, on ne se raconte même pas les histoires de Facebook, parce qu'on n'a rien à secouer, l'histoire de Facebook. Quand elle est venue ici en sujet, on a failli se voir. Et comme je travaille trop, les heures des hôpitaux, ce n'est pas facile. Donc, c'est toujours compliqué. Sinon, ce serait vieux. On aurait fait les photos. Je pense que d'autres se seraient suicidés sur Facebook. C'est même quoi cette jalousie malsaine-là? C'est quoi cette jalousie malsaine que les gens ont? Parce que j'ai fait la paix avec Lolo. Quand Marthe Chopard est passée à l'émission de Lolo, oh mon Dieu, c'est pas possible. Ça a été la fin du monde.
j'ai vu la vraie méchanceté, c'est-à-dire que la haine, parce que Lolo a une étoile qui brille jusqu'à ce n'est plus bon. Et cette étoile éblouit les crapules de l'île comme ça. Une sorcière, un Satan. Pour moi, elle ne mérite même pas de respirer. Et je dis ça haut et fort, et je l'ai toujours dit que... Je dis ça encore ici, hein. J'ai dit ça même à ces abeillottes qui étaient venues un peu me faire la mission dans les inbox. Je leur ai dit que le jour où je vais la voir, hein, sur la tombe, voilà, regarde, me voici qui tape encore ici, là. Sur la tombe de mon feu père. Parce que quand j'ai perdu mon père, elle avait engagé Ashley Lambert, celle qui est en Allemagne avec toi là-bas, pour venir saboter le deuil de mon papa. Je te jure que je vais lui verser l'eau bouillante. On va se retrouver à l'hôpital. Et après, là-bas en Kodengi, où je ne sais pas où elle sera là-bas, ou en France, je ne sais pas où elle va se retrouver. Mais j'ai juré, c'est une promesse que moi, je tape le poing comme ça là. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas les paroles en l'air. Hein, parce que ça fait depuis 2000, c'était comme quand 2020 que j'avais promis ça à cette crapule de l'île là. Parce qu'elle avait saboté le deuil de mon père ici là. Rêve, j'ai eu mal au cœur. Je n'ai jamais fait de témoignage parce que j'avais laissé ça à Dieu. Mais je te jure que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Elle connaissait mon père où? C'est la même chose qu'elle fait avec votre maman dans la tombe. Et j'ai promis à cette crapule de l'île que toi, je te vois, je vais te verser l'eau bouillante. Il lève Zamba. M'envoie qu'il faut en soin que je vais te verser l'eau chaude. On va se retrouver, on va se retrouver. Et c'est une promesse. Je jure que ce ne sont pas des paroles en l'air. Comme certaines, là, elles prennent l'alcool, elles prennent la drogue pour se donner un peu de force. Elles pensent que c'est tout le monde qui fait ça. Non, je ne suis pas dedans. Je suis infirmière, cadre. Je suis responsable de trois. J'ai bien trois étages à moi toute seule. Moi, la nègre Ekan. Et fière de l'être. Parce que je représente mon Cameroun, où je travaille à mon hôpital. Et ils sont fiers de moi. Donc les conneries que vous racontez là sur les réseaux, ça vous regarde. Je pense que vous parlez de vos propres vies. La droguée, l'autre droguée, là-bas, je n'ai même pas envie de parler d'elle parce que ça me sert à rien. C'est les gens qui sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux en train de vociférer des inepties sur les vies des gens qui ne connaissent pas. Donc, je reviens à ça que quand Marthe Chopin est passée dans le direct de Lolo, je te jure que là, ça a été la goutte d'eau qui a mis le poignard. Mais je te dis que rêve, j'ai vu les voiratres dans les histoires des groupes Facebook et les groupes Messenger. Comment les gens avaient la haine, la jalousie. Et c'est à cause de ça que tout le monde... Je dis bien tout le monde. Je dis que les personnes qui n'étaient même pas contre Lolo sont aussi venues se mettre contre Lolo. J'ai fait un post pour dire bravo Lolo, bravo Ma, parce que l'émission était magnifique. Lolo était belle comme une poupée. Elle était classe. Elle s'est bien, tu vois, elle s'est bien présentée. La vraie Oprah d'Afrique. J'étais fière de la voir, rêve. Et tu sais, rêve, je vais te dire quelque chose. Un gros big up à toi. Je t'aime jusqu'à ma sœur. Tu sais, nous les écans, hein, quand je dis à quelqu'un que je l'aime, c'est très compliqué. Je ne suis pas quelqu'un qui dit à n'importe qui que je t'aime. Mais rêve, je t'aime parce que tu es une petite sœur vraiment de poigne. Et non seulement de poigne, mais tu es une petite sœur à prendre comme exemple. Parce que depuis que tu es venue sur la toile et que tu as emmené ce soutien à ta sœur, je te jure qu'elle a repris du poil de la bête. Elle rayonne. Et ton soutien était le soutien 1000 étoiles. Personne ne peut lui donner ce genre de soutien que toi, tu lui as donné là. Parce que ça a une autre valeur. Tu es sa sœur. Et tu as ce charisme. Tu as quelque chose en toi qui est... Oh, c'est pour ça que je t'avais toujours dit la première fois quand je t'ai vu faire les directs. Je dis, c'est elle ici que... En s'insultant en commentaire, c'est pas possible. Tu es tellement intelligente, tu es gracieuse, tu t'exprimes tellement bien, tu es éloquente, tu as tout pour toi, tu es belle, tu es posée, tu n'es même pas méchante, tu fais seulement un jar aussi pour répondre. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, je suis fan de toi. Oh, ah. Je suis fan de toi parce que j'aime ce que tu fais pour ta sœur. Et tu le fais avec charisme, tu le fais avec poigne. Et ça, c'est quelque chose à applaudir, rêve. Tu mérites vraiment qu'on te surlive encore plus haut. Parce qu'on voit que ce que tu le fais bien réfléchi. Tu ne fais pas les à peu près, tu ne gesticules pas comme certaines, non. Tu as ta ligne de conduite et tu restes droite. Voilà pourquoi tu as rehaussé, tu vois, l'estime que les gens avaient déjà pour Lolo avant, qu'il baissait déjà un peu. Ça, tu vois ça, pas parce que malheureusement, ta sœur, ce que je peux lui reprocher, c'est quoi? C'est que même toi, tu lui faisais le même reproche que, ouais, mamie, pourquoi tu réponds aux petites personnes qui ne te valent pas? Pourquoi tu viens toujours te justifier? C'est comme si tu avais peur d'eux. Tu as déjà atteint un niveau que tu ne peux pas te rabaisser encore. Ça, c'est pas bon.
et tu lui faisais ce reproche. Mais elle est aussi têtue, on a tous nos défauts. Maintenant, tu es quand même venue et tu l'as quand même remontée. Vrai, vrai. C'est grâce à toi que, franchement, les gens qui avaient déjà un peu perdu confiance en Lolo, entre guillemets, hein, je vais te dire sa vérité, hein, les gens avaient déjà un peu perdu confiance parce qu'ils se disaient que, ouais, Lolo est beaucoup trop faible, quelque part, elle n'arrive pas à gérer. Et dès que Rêve Mbiaï, le tsunami, t'es arrivé à Moufmide, il dit qu'elle m'arrête. J'ai seulement dit que Rêve Mbiaï, yopa, 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 yopa. Ça, c'était quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'effet Rêve Mbiaï, Moufmide. Franchement, moi, je te tire mon chapeau. Tchakap. Ce que tu as fait, c'était quelque chose de grandiose. Je n'ai jamais vu ça sur les réseaux sociaux. Et tu sais les éloges que je te fais là, j'ai commencé avec ça dès le début que je t'ai vu. Je suis quelqu'un que je suis une place. Quand mon cœur accepte quelqu'un, c'est fini, ça va rester là. Quand mon cœur ne t'accepte pas, ou alors c'est un ja, sache que ça ne va pas donner. Parce qu'avec Hortense Coco, ça n'avait jamais donné. Je n'avais pas confiance en cette sorcière. Parce que c'est une sorcière profiteuse et c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est une petite vanupier, une alcoolo là-bas. J'ai déjà toute sa vie ici, mais je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux parce que j'en ai rien à secouer. C'est-à-dire qu'elle est cancer et quand j'accepte aussi, on prend tout le monde. Mais ce n'est pas la même estime. Et c'est pour ça que ça m'a valu une telle haine, une telle jalousie que je n'ai pas compris. Mais Je ne gère pas les petits détails à la noix. Moi, je t'apprécie vrai de chez vrai. Abinté, le reste, j'en ai rien à foutre. Donc, Rêve, le travail que tu as fait, ça a redonné vraiment du boost à Lolo. Voilà pourquoi le jour où elle a fait son émission avec Maman Marthe Chopin, j'ai vu Lolo dans une... J'ai vu Lolo comme les Américaines, là. Elle a représenté le Cameroun. Elle a beaucoup, tu vois. Elle a fait beaucoup d'efforts, même le décor, c'était juste magnifique, c'était waouh! J'ai apprécié, je me suis dit que waouh! Ça, c'est Lolo Foggia qu'on veut voir. Ça, c'est la Lolo qui rayonne et qu'on veut vraiment voir dans l'avenir parce que ça lui va tellement bien. J'étais tellement fière d'elle. Et malheureusement, tu vois ce qui s'est passé après, la jalousie de sa Rêve. Eh, ta sœur, son étoile pique les yeux. Son étoile pique les yeux à cette crapule de Lille. Son étoile pique tellement ça brille. Oh Wombo, pourquoi l'étoile de Lolo pique les yeux de la fille là comme ça? C'est pour ça là qu'elle a toujours les lunettes. Parce que l'étoile de Lolo pique, ça pique, ça pique. Elle a les yeux qui grattent. Parce que tellement les yeux grattent de jalousie. Elle envie Lolo, mais elle ne va jamais atteindre Lolo. Marthe Chopin qui a fait l'apparition dans l'émission de Lolo, elle est venue raconter son histoire, sa vie. Elle n'est pas venue parler du monsieur qui est parti là, paix à son âme. Lolo posait les questions comme une chroniqueuse, tout à fait normale. Dans tous les plateaux télé, tout le monde peut poser ce genre de questions. On voit ça partout. Quand on regarde ici, même les plateaux télé français, que ce soit américain, que ce soit belge, tout le monde, Lolo a posé les questions comme il se doit, parce qu'il faut aussi donner un peu du piquant à ton émission. Donc, si elle a posé les questions et que il a eu une balle perdue au coronavirus, franchement, ça ne devrait même pas lui dire quelque chose, puisqu'ils étaient déjà dans les clashs sur Facebook depuis From. Ce n'est pas comme s'ils étaient nouveaux coronavirus. Non, ils voulaient aussi seulement venir se faire voir. Et regarde-moi le direct, ce qui s'est passé dans le direct. Toi-même, Rêve, dis-moi, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris quelque chose, le diable. N'est-ce pas pendant 2 heures, plus de 2 heures de temps, 4 heures même, hein, au début, ils ne voulaient pas parler. Ça, c'était les signes du Saint-Esprit. Le signe de Dieu, Dieu lui disait que au carga, n'entre pas dans ce direct, rétracte-toi. C'était les signes du Saint-Esprit. Une dernière chance que mon frère, mon fils, n'entre pas dans ce direct. Laisse comme ça, ne parle pas. C'est un bébé, il n'a rien demandé. Faites vos guéguerres entre adultes, laissez le petit bébé Emma, qu'il ait été adopté, acheté, fait comment, laisse ce petit. Emmanuel. Il n'a pas voulu écouter. Tous les signes, il voulait toujours insister, jusqu'à le diable l'a trompé. Il est entré dans le direct. Il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, voilà donc les retombées. Je me rappelle la dernière fois que j'avais écrit sur son post, c'est quand il avait encore parlé de bébé Emma. J'ai dit à ce monsieur, tu sais, je suis tombée amoureuse de ce petit bébé Emma. Parce que quand elle était venue ici en Suisse, la maman Marthe, je ne sais pas, m'avait envoyé les dernières photos du bébé Emma. J'ai dit que ça, c'est mon futur mari. Le petit s'est choupiné jusqu'à... Je me suis... En fait, ce petit, il a un visage tellement innocent. Et quand je voyais ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ça m'a automatiquement touchée.
Donc, j'avais écrit la dernière fois, c'était il y a quelques jours, là, quand il faisait les posts, j'ai écrit à ce monsieur, s'il vous plaît, faites vos guéguerres. Je vous dis ça la dernière fois, laissez bébé et Matt dans vos guéguerres. Je vous demande que, pardon, ce petit n'a rien demandé, c'est un petit ange innocent. C'était le dernier message, je l'ai fait il y a quelques jours, quand c'était un post qui parlait aussi du bébé, quoi, bébé, machin, truc. Je lui ai fait le message que, pardon, laisse bébé et Matt, parce qu'il était en train de menacer, qu'il allait faire les révélations fracassantes, on va lui enlever le bébé. Je dis que, s'il te plaît, enlève bébé Emma dans ta bouche. Parle de maman Marthe, je parle de votre histoire d'amour qui a mal tourné, si tu veux. C'est à vous, regarde, vous êtes entre adultes. Mais laisse bébé Emma tranquille. C'était le dernier message. C'était le dernier message que j'avais écrit sur sa page. Et quand il est sorti dans le direct de celui de Suisse, là, celui que, quand j'ai vu... J'ai vu ce monsieur sans lunettes. Je me suis dit que, Seigneur, c'est à ça que tu ressembles sans... c'est pas possible. Ouais, que Dieu me pardonne. J'ai même fait le post. J'ai dit, mais c'est à ça que tu ressembles sans lunettes. Tu n'as pas... Oh, j'avais du respect pour toi, monsieur Messin. J'avais un respect pour toi, mais je suis déçue. Depuis que tu as appris à insulter les fesses des femmes, les parties intimes des femmes, le physique des femmes, je suis tellement déçue de toi. Tu as perdu mon respect, grand frère. Je n'ai rien contre toi, hein. Je suis juste déçue. Parce que je pense que quand je respecte un monsieur, ça veut dire qu'il apporte quelque chose à la jeunesse. Et quand je vois comment toi tu te comportes, et au début tu donnais des bons conseils, je suis vraiment... je suis dégoûtée de ta personnalité que je découvre au fur et à mesure. Parce qu'un vrai homme ne se place pas à la vindicte, comme Otama fait, comme les Atangana, Antoine ont fait. Moi, j'ai un profond mépris. La dernière fois, j'ai parlé près de 2 heures au téléphone avec... j'oublie même le nom. Attends, Achille. Achille, il m'a appelé. Il me dit, parce que tu es où depuis? Tu me fuis. Il dit que non, je ne te fuis pas, mais vos histoires des réseaux sociaux, là, ça me gave. Je dis que toi, tu es encore allé, c'est une parenthèse, hein. Toi, tu es encore allé, tu pars dans les directs maintenant, Achille. Je t'interdis ça. Toi et moi, sinon, c'est fini. Si tu pars encore sur les directs, je t'entends encore que tu es passé, où c'est Nicole, ou c'est quoi. Même si tu passes chez Lolo, je ne suis pas d'accord. Reste dans ton coin. Appelez-vous en dehors. Appelez-vous comme des grandes personnes. N'entre pas dans les putains des directs. Je t'ai toujours dit, je ne veux plus. Pourquoi tu fais ça? Reste avec tes histoires de la lionne. Parlez à côté. N'entre pas dans les directs. C'est ça qui te donnait encore cette classe-là, que tu n'as jamais fait ça. Je ne veux plus te voir là-bas. Il m'a dit qu'il a compris. Je l'évitais depuis, parce que j'entendais déjà trop son nom. Et pourtant, il m'avait promis. Parce que c'est ça que moi, je reproche à tous ces hommes-là qui viennent se placer devant la caméra et dénigrer les femmes. Parler des parties intimes des femmes, c'est la malédiction. Parce qu'ils prennent une malédiction qu'ils ne savent même pas. Ils ne se rendent pas compte de cette malédiction, parce que ça va rester. Elle est spirituelle. Tu vois, non, ma rêve. Cette malédiction est spirituelle. Parce que quand ils se placent devant la caméra, ils ont l'impression qu'ils sont en train de parler, c'est des paroles en l'air. Non. C'est ta parole qui t'affranchira. Donc, moi, j'ai toujours dit, ces hommes-là qui viennent se placer devant la caméra et insulter les parties intimes des femmes, ils ont déjà porté leur malédiction. Parce que c'est une femme qui les a portées 9 mois. Ils insultent toutes les femmes en même temps et toutes les mamans en même temps. Donc, quand j'ai vu ce direct, j'ai vu ce monsieur, j'ai dit, ouais, je comprends pourquoi il porte toujours les lunettes. Parce que sans lunettes, mon Dieu, que Dieu me pardonne, je n'ai pas envie de dire le mot, mais j'ai eu peur, j'ai eu le haut, le cœur, quand je l'ai vu. Oh, mon Dieu, donc c'est ça? Hey! Père, mais ça... Donc c'est à ça que tu ressembles sans lunettes. Et tu viens insulter le physique des femmes et les fesses des femmes. Oh mon père, franchement, que Dieu te pardonne. Parce que franchement, je te dis, rêve, hein, je t'ai dégoûtée. Parce qu'il est encouragé par la Starmania. Je ne sais pas c'est quoi comme Starmania que tu vas prendre. Tu laisses ta dignité. La dignité n'a pas de prix, ma rêve. La dignité, même pour tous les milliards du monde, ta dignité va toujours rester intacte. Et devant le Dieu Tout-Puissant, tu seras un grand homme. Pas devant les hommes, parce que ce n'est pas eux qui vont prendre ta place dans ton lit de mort. Voilà donc que ce papa, il est parti. Donc c'est vraiment vrai qu'il est parti. Je dis encore paix à son âme, mais le malaise qu'il a eu là n'est pas anodin. Et ce n'est pas un malaise
pour rien. Parce que pourquoi depuis là, il ne fait pas un malaise? Depuis son clash avec maman Marthe Chopard, il n'a jamais eu de malaise. Il avait fait son premier direct ici. Il avait eu plus de 3000 personnes. Pourquoi à l'époque, il n'avait pas fait de malaise? Pourquoi c'est maintenant qu'il vient faire ce malaise-là? Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est spirituel. Mais que ça serve de leçon. Que ça serve de leçon à tous ceux qui veulent faire comme lui. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez ici, ça reste collé à la peau. Ça reste collé à la peau, ma rêve. Les paroles que tu sors là, ça va te brûler à l'intérieur. Parce que quand tu fermes la caméra et tu pars dormir, tu n'es pas en paix. Rêve, tu n'es pas en paix. Quand tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, que tu as blessé quelqu'un, ça va te ronger. Que tu sois fort comment, ça va quand même te ronger. Et ce qu'il a fait là, bébé Emma, l'esprit de ce petit garçon innocent qui est protégé par Saint-Michel Archange et tous les anges qui protègent les enfants a frappé. Donc, j'espère vraiment que rêve, les gens vont voir cette partie comme une leçon de vie par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux détruisent quand tu ne sais pas t'en servir comme il faut. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce témoignage et j'ai passé mon message. Premièrement, à la crapule de Lille, hein, sur la tombe de mon père. J'espère que toute ta vie, on n'aura même pas l'occasion de se voir, ni que ce soit en Simalène, Paris Charles de Gaulle ou je ne sais pas où. J'espère. Prie pour que Vasquez, c'est là que vous allez voir la vraie folie et calme. Je vais sortir la rage que j'ai eue quand j'ai perdu mon père ici. Je vais te verser l'eau chaude. Je m'en fous des retombées après. J'assume mes paroles. Prends les paroles sinon. Tu emmènes ça où tu veux. Parce que toi, tu réagis en bac. Laisse ça. Laisse tes petits nyamanyama que tu fais là. Ce n'est pas cette bassesse. Moi, je côtoie les grandes. Moi, je côtoie la haute personnalité. Ça, ce n'est pas les petits bassesses de Facebook. Moi, je suis déjà au Cameroun avec toi. Je suis déjà au Cameroun avec toi. Toi, la crapule de l'île là. Ça, c'est mon ultime message, encore une fois. Toi et moi, prie seulement tes crânes là-bas et ton calamongo, qu'on ne se croise jamais, toi et moi, face to face. Parce que le jour-là, on ne va pas te dire, ce sera le hélé-hélé, parce que moi, je suis une timbrée. Quand tu vas voir la vraie, je suis une malade psychopathe quand je vois la folie devant moi. Parce que ta folie, là, ça seulement sur les réseaux sociaux. Toi, tu es bonne pour l'asile. Moi, je travaille avec les fous. Je les ai déjà étudiés. Les fous, les folles comme toi qui venaient faire un jar sur Facebook. Ça, c'est rien, ça. Je les mange au petit déjeuner. Mais toi, si je te vois vrai, quatre yeux comme ça, là, eyes to eyes, on ne va pas te dire, c'est tes abeilles qui vont pleurer. Moi, je n'en ai rien à foutre. Hein. Parce que ce que tu as fait avec mon nom sur les réseaux sociaux, en back, quand tu avais envoyé Ashley Lambert pour saboter le deuil de mon père, je te garde dedans jusqu'à la fin. Parce que mon père n'était pas sur les réseaux sociaux. Parce que mon père, tu ne le connais pas. Mais les gars, là, elle a dit quoi? Elle avait parlé de mon père. Je dis qu'elle rêve. Elle avait inventé une histoire à dormir debout. Wow, le père de Vasquez est colombien. Il n'est même pas africain. Qu'est-ce qu'elle vient nous pomper l'air? Pourquoi elle n'envoie pas le... Bref, je n'ai pas envie de parler de sa rêve. Sinon, je vais commencer à... Voilà. Bref, en tout cas... Tu sais, depuis là, je n'ai jamais reparlé de ça parce que la plupart des patriotes m'ont dit, Victoria, laisse à Dieu. J'ai laissé à Dieu, non. Mais sache que je garde dedans à la crapule de Lille. Pourquoi? Parce qu'elle a continué. Et elle fait toujours les choses en bac, la surnoiserie. Elle fait comme si elle ne connaît rien et pourtant elle connaît ce qu'elle sait. Et je lui ai promis ça. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'elle le sache. Donc, voilà mon ultime message à la crapule de Lille. Mon dernier message, c'est pour Hortense Coco, que tout à l'heure, je lui ai fait le message dans son direct qu'elle est en train de parler pour encore atomiser Marthe Chopard, que ça vous servira de leçon. Elle a commencé à vociférer ses inepties. Oh, mal élevée, droguée, c'est tout ce qu'elle sait dire, parce que c'est ça qu'elle fait. Elle pratique la drogue, elle pratique l'alcool chaque temps. On sait que c'est une ivrogne notoire des sauces. Donc, toi, Hortense me dit, franchement, tu ne me sers à rien. Voilà pourquoi je t'ai évité depuis, je ne parle pas de toi. Tu vois, elle a commencé à gesticuler comme le mauvais esprit dès que je suis entrée dans son direct pour dire que ça vous servira de leçon. Parce que depuis pas de deux ans,
je m'en fous d'elle, je n'ai rien à secouer de ses affaires. Elle voit, elle passe seulement s'agripper aux personnes que elle sait que c'était mes personnes avant. Moi, j'en ai, prends mes restes, j'en ai rien à foutre. Ça ne me dit même rien, au contraire même. C'est bien, prenez, multipliez-vous là-bas. Prends toutes les personnes que j'ai jetées, parce que moi, quand je te jette, c'est à vie. Et il n'y a pas pour moi, le pardon n'existe pas. Parce que quand je donne mon cœur, là, c'est avec un seul cœur. Et quand tu écrases mon cœur, alors que tu me déçois, je te jette. Voilà mon défaut, je te jette et je te vomis et c'est à vie. Je ne veux pas de pardon, je ne veux pas des excuses. Chacun reste dans son coin, abîme-t'es. Donc Hortense, me dit, reste dans ton coin. Je ne te gère pas. Tu as gesticulé tout à l'heure pour dire que, oh, n'est-ce pas, tu avais insulté, je t'insulte par rapport à quoi? Tu es qui pour moi? Tu n'en vaux pas la peine. Tu ne représentes zéro. J'ai pris ta rêve. Viens prendre ta rêve. Non, c'est ta quota. Je pense que c'est ça qui t'a pioncé. C'est ta rêve, non, ma rêve. Dans les inbox, comme mamie Congo, ça. Oui, tu étais sa quota, non? Mais c'est pas grave. J'ai piqué, j'ai pris Roha. Pian, va pleurer. Va pleurer. Vous appelez quoi? Attends, vous appelez quoi pour ta maman? Je dis qu'elle a dans les disinbos, j'entends souvent qu'elle a pris ma rêve, non? Elle est contente. Comme c'est comme ça qu'elle elle est toujours là. Elle divise les gens. J'ai divisé quoi? Je t'ai pris par force, rêve. Je t'ai pris par force. Moi, je t'aime, pian. Je t'ai alors pris, pian. Je t'ai arraché, pian. Qu'elle se tue. J'en ai rien à secouer. Donc, elle pense vraiment que je la gère même. Depuis 2 ans, je la gère, je sais même si elle existe, si elle respire. Sa vie m'intéresse où? Elle commence à vociférer dans son direct tout à l'heure que « Oh, tu m'insultais partout, tu as insulté ma mère. » Moi, si, j'ai ton temps, dis donc. Je vois qu'on parle d'elle, je dégage, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça me concerne, parce que ça n'a même pas de, pour moi, ça n'a même pas d'importance. Quand elle est en train de s'inventer des histoires, comment elle est devenue fofolle là, elle invente des trucs à 2 francs. Sa vie, c'est quoi? Elle invente des histoires sur les gens pour se faire voir. Elle avait inventé sur maman Nadège Bapa. Oh, big up à ma mère chérie, Nadège Bapa. Et ici, inventé. On n'a même pas géré. Parce que Nadège Bapa, c'est une grande dame. Elle a géré ça en grande dame. Elle a jeté les bêtises. Elle a dit, ah, pardon, mouf, dis donc. Tu ne vaux rien. Et elle a vu que moi et Nadège, nous sommes toujours complices. Elle a fait ce qu'elle a fait. C'est son problème, dis donc. Franchement, pour moi, elle n'a même pas d'importance. Elle n'a même pas de vaut. Et qu'elle ne vaut même pas 6 sous. Donc, moi, pour elle, franchement, quand elle vocifère tout à l'heure, elle va peut-être faire 1000 posts pour dire, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à secouer. Elle peut gesticuler comme elle veut. Si elle veut, elle vient te récupérer, rêve, d'accord? Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez être amis. Moi, je t'ai aimé d'un seul cœur. Abîme-t'es. Le reste là, elle est fâchée. Oh, que je l'insulterai jamais nulle part parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Prendre. Moi-même, je t'aime d'un seul cœur. Comme ça fait mal là. Comme ça fait mal là, ça va encore plus faire mal le tout aussi. Je dis que je t'aimerais, MBI, aujourd'hui, demain et après-demain. Même si tu me fais quoi, j'en ai rien à secouer parce que tu ne m'as pas demandé de t'aimer. Je t'ai aimé naturellement. C'est mon cœur qui a décidé, basta. Donc, ce que les autres pensent là, les écans, je n'ai rien à foutre de vous. Je n'ai même pas votre temps. Je travaille trop d'abord dans ma vie. Quand je passe sur Facebook, je sais, c'est des passages furtifs. Je viens, je look un peu. Là, vraiment, les personnes que je regarde, même, c'est même d'abord toi. C'est Lolo, ou c'est les gens que, franchement, les patriotes que je suis. Sinon, hein, franchement, tout Facebook, je n'en ai rien à secouer. Donc, si ça fait tellement mal que je t'aime, ça fait tellement mal que j'aime Lolo, c'est leur problème, rien à foutre. Allez vous pendre, il y a les cordes à Fokui, il y a les cordes là-bas, allez vous pendre avec. Calé en l'air, dis donc, je n'ai rien à secouer de vous. Donc, voilà mon message à celle de Hortense Mebila, qui a fait un direct tout à l'heure. Il m'avait insulté, il m'avait agité ma mère, un drogué. Tout ce qu'elle sait, c'est drogué. Comme quelqu'un qui prend la drogue, elle ne parle que de drogue, hein. Elle ne parle que d'alcool et de drogue, de maladie mentale. C'est elle-même, elle s'identifie. Donc, Claude Akam, hein, toi, tu es mon quota, on est dans le même groupe. Claude Akam, dis à ta poufias là, qui n'a même plus de... Elle a dit, que la tête ne va plus. Tu vois, quand tu es trop sur Facebook et tu n'as pas de direction, hein, c'est compliqué pour toi parce que tu cherches toujours le choco. Tu cherches toujours quand on t'apporte quelque chose. Toi, tu n'apportes rien aux gens, mais tu cherches toujours quand on t'envoie les petits 5 francs. C'est pour ça que tu viens te placer dans la toile même. Tu n'as même pas de place d'abord. Fais tes Africa, Trika et sauce là-bas. Vends tes petites chinoiseries là, tu fermes ta bouche parce que tu n'as d'abord pas de personnalité pour Facebook, tu n'as rien à dire et tu n'as rien à porter à Facebook. Donc tu me la boucles. Dis à ta Claude Akam, dis à ta quota là que franchement, elle ne veut même pas se monter sur moi parce que je vais l'écraser. J'ai trop de secrets par rapport à mon frère. Bon, je le prononce vite fait parce qu'elle a tellement mal. Elle voulait aller draguer, ça n'a pas dosé. Il a bloqué les bêtises partout. Mon bia. Vous avez compris. Mon bia, c'est mon frère Choupinet.
Tous les jours, on est complice jusqu'à ce n'est plus bon. Donc, elle voulait aller draguer, ça n'a pas donné. Elle est fâchée, rêve. Oui, elle a dragué, dragué. Il a bloqué. Je dis que, ouais, papa, c'est ta soeur, non? Il dit que, hé, hey, dis-moi encore ça, même Bikitom, je vais te bloquer. Oui, elle a voulu draguer. Elle a tout fait pour draguer. Parce que je sais que lui, hey, c'est le chouchou des ministres. Ah oui, 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 c'est le chouchou des grandes personnalités. Donc, elle voulait aussi aller gratter. Non, elle a tout fait, rêve, tout fait, tout comme ça. Là. Il a dit que niette. Même, je dis que même, pardonnez, excusez, je ne veux rien entendre. Il a bloqué les bêtises partout. Depuis là, elle m'en veut parce que lui et moi, on est comme ça là. Complice jusqu'à demain, chaque jour. C'est comment tu vas bien dormir. Elle est le goût de ça, mais c'est mon frère, ce n'est pas mon chéri. Mais comme elle a mal, elle peut seulement mourir. Et parce qu'il était avec Lolo. Ça, c'est la jalousie. Donc, de toute manière, toi, tu vas mourir de jalousie. C'est ton problème. Gesticule comme tu veux. Ça ne fait mal à personne. Ça ne bouge personne. Tata Nadège t'a vomi. Rêve-la. C'était ta quota. Si tu veux, tu la prends, maman. On ne la discute pas avec toi. Je ne la discute pas avec toi. Voilà, rêve. Dis à ta quota que... Non, parce que je me suis pris les foudres parce qu'on dit que j'étais arrachée. Oh. Ha! Je ne suis pas là-dedans. Je n'étais pas moi arrachée à quelqu'un. Non, pas. Donc, laisse même les détails là. Donc, parce qu'elle allait bosser ma vie. Oui, non, j'ai fini même, c'était ça. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous fais des gros bisous au petit bébé, la maman, la belle petite maman. Et tu passes une bonne journée. Et voilà, sache que ton blogging, j'adore, continue comme ça, ma rêve. Et je t'aime. Gros bisous à toi. Bye bye. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, NS, merci. Voilà. Bon, les filles, vous savez, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Ils vont tirer ce qu'ils veulent. Restons focus. Notre émission Tata Lolo TV doit continuer. Restons focus. On ne se reproche de rien. La droguée de Surin peut dire ce qu'elle veut. C'est son problème. C'est son problème. Le jour qu'on voit l'eau avec elle, on se déconnecte à sa page. Moi-même en premier, juste sa petite soeur, je la vois avec elle, je me déconnecte. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rien à foutre. Ne jugeons pas celui qui est décédé. Demandons la clémence du Seigneur. Accordons-lui un recueillement, lui accorde un repos éternel. On l'accompagne en prière. Tout ce qu'il peut raconter, on ne le jette pas. Elle-même, c'est une folle. Vous voyez un gars qui parle à cette si en direct. Je vais vous mettre la vidéo. Ce qu'elle fait là, c'est petit. Le jour, vous dites que le jour qu'elle tente, allez lui dire qu'elle a montré la dureté de ma soeur pour être ma bouche. Le jour, elle tente encore. Vous montrez qu'elle en direct. Ça va chauffer. Que c'est rêve qui a dit que la récréation est terminée. Le jour qu'elle essaye, venez m'appeler. Je riposte. Action, réaction. Le jeu est pas encore. Elle peut seulement parler. Voici ton verre ici, maman. Elle peut seulement parler. Je lui que parle. Mais que rêve a dit que le jour tu essaies encore, ça sera action, réaction. Ça sera action, réaction. Et là, je pourrais dire à mes enfants que j'ai défendu telle cause. Oui, j'ai défendu telle cause. Pas son bruit qu'elle fait là. Pas son bébé qu'elle fait là. Qu'elle essaye. Donc, tout ce qu'elle peut vociférer, ne l'agirez pas. Et une vraie dame, qu'on déchire une périque, on met, d'une qu'elle met le briquet, parce qu'elle va encore aller raconter la perruque. Elle n'a pas déchiré la perruque. Qu'elle mette le briquet devant vous. C'est une Bolingo, mets le briquet. Tu tiens la fenêtre, non? Mets-toi la fenêtre, tu me brûles la perruque là. Tu vas aller racoler demain, tu vas remettre ça sur ta tête. Elle n'a pas déchiré la perruque. Tu vas seulement séparer les parties. Qu'elle pourra encore rafistoler. Mets le briquet sur la perruque. On quitte ça. Donc les filles, tous ceux qui aiment Lolo, tous ceux qui aiment Tata Lolo TV, tous ceux qui nous apprécient, ne tirez pas sur ce monsieur. Il est décédé. Défendons le nom, on reste tranquille. Parce que dans le direct, elle n'a offensé personne. Donc, il laissait les gens bavader. Ça ne nous dit rien. On s'en fout.
fou éperdument. Nous, c'est les condoleurs. La famille insiste à tester parce qu'il a des enfants. On pense à ses enfants, je ne sais pas combien. Il a une famille, il a les frères, il a les soeurs qui sont affectés. Ce n'est pas le moment de tirer sur lui. Tout ce que je demande à l'Omanie, aux gens qui nous aiment, c'est de l'accompagner dans la prière, de mettre, de commenter. Je vais partir. Ne reste pas longtemps, Léo, je pars. Je vais bosser. S'il te plaît, je l'accompagne dans la prière. Ne reste pas longtemps, Léo, s'il te plaît. N'attaquons personne. On s'en fout. Perdu. Non. Ça fait avant de passer à la télé, il était déjà en cache. Maman, oui. Dis comment. Je n'ai pas pu te prendre, Léo, c'est pas passé. Bonjour, soleil. Donc, je vais partir bosser. Ce soir, on va relancer un direct. Hein. On assume tout ce qu'on fait. Lui, elle mange. Oui. Donc, ne tirez pas sur lui. Je n'arrive pas à te prendre, Léo, je n'arrive pas. Ne tirez pas sur lui. N'aie pas peur du bavardage des gens. Les vociférants. C'est elle qui souhaite la mort aux gens que le monde envoie. N'ayez pas peur du bavardage. Qu'est-ce qu'elles vont parler? On s'en fout perdument. Je n'arrive pas à te prendre, Léo. Je n'arrive pas. Donc, on va lancer un direct. Je souhaite mes sincères condoléances à la famille attristée. Quand on vous attaque sur le monde, si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas le cœur de te dire que est-ce que c'est plus dur à avaler que ça? Quand tu penses à elle, tu balais, tu te reviens avec un visage joyeux comme le mien. Tu te reviens avec un visage joyeux comme le mien, sans filtre, zéro filtre. Tu te reviens avec un visage zéro filtre. Donc c'est comme ça. Donc les filles étaient déjà en clash. On s'explique qu'on veut. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on veut la prochaine émission. Vous êtes à l'OTV. Vous avez compris? Dieu voit tout. Si tu ne te bats pas dans la vie, on te mange cru. Tu dois te battre jusqu'à ta dernière énergie. Dans la vérité. Dans la vérité. Et tu sais qu'ici, je mens, je te retire. Tout ce que je vous dis ici, je ne mens sur rien. Je ne mens pas. Je n'accuse pas tant le mensonge. Je n'invente pas les histoires. Comment tu allais faire le bypass? Pourtant, on n'a jamais fait le bypass. Oh, on t'a attaché. Pourtant, on n'a jamais attaché. Je n'invente pas. Ce que je vous dis est factuel. Vous avez vu. Je ne fais qu'argumenter. Je n'invente rien. Je n'ai pas les actus de venir inventer sur la vie des gens. Ce que je vous dis est vu, vérifié. Je ne fais qu'argumenter. Et je vais me battre jusqu'au bout. Je suis le genre que l'adversaire baisse les armes, je baisse. Si tu lèves l'arme, comment je vais baisser mon arme? Pourquoi tu me finis? Quand tu lèves, je lève. Tu baisses, je baisse. Mais je t'ai à l'œil. Parce qu'à tout moment, tu peux lever. Donc, je dois être prête. Je dois être prête à tout moment. Ma langue peut avoir le pétrole à tout moment. Mais quand tu baisses, tu baisses. Je suis comme ça. Parce que pour moi, je n'ai pas des ennemis. Ni pour Lolo. Lolo va très bien. Si elle allait mal, c'est que moi, je n'allais pas avoir la force de vous parler. J'ai la force parce qu'elle va bien. Donc, il peut amener les gens, venir parler, venir témoigner, dire ce qu'il veut. Ma soeur, je suis debout. Quand elle vous dit comme ça, je suis debout, je suis fière. J'ai la force. S'il y a que moyen d'inviter encore une autre personne, elle va inviter, ça ne changera rien. Voilà l'opus-pice qui avait les commentaires. Voilà l'opus-pice. Maman, c'est pour ça qu'il dit aux gens que parlez vos histoires. Laissez Madame Biaye. Vous pouvez me laisser Madame Biaye. Si vous voulez, vous envoie la photo de son corps. Ça me pique, mais je vais envoyer ça en bonbon électrique. Il envoie ça dans son inbox. Moi, ça ne me dit rien. Elle est morte. Mais quand tu dis que ta vie est pour elle, tu blagues pour vous. J'ai vu ça. Mais elle m'a dit, c'est ce que tu as fait de faire. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Regarde-moi bien dans les yeux. J'ai pitié de toi. Mais tu veux mentir aux gens. Vu qu'on a attrapé ta personne, c'était avec ma mère. Elle parlait de ma mère. Donc avant de dire que
Le loin insulter les mamans. Sachez qu'on a bien insulté ma mère. Hein. Il mettait le cœur. Hein. Toutes vos histoires aux gens qui ont peur. Moi, quand ils dorment, je dors en paix. Et ils s'attaquent à une gabonaise. Le retour, on ne peut être sur Facebook. Les gens ont la force. Moi, je n'ai pas la force. Moi, on est que mon Seigneur et la Bible de ma mère. Et que Seigneur, écrase la tête de mes ennemis. Mets ton pied. Tu piétines la tête. Tu écrases. Parce que je ne fais rien. Je me défends. Quand une femme se lève, je me défends. Quand une femme se lève et qu'elle vend le piment en Allemagne, je dois me défendre. Je dois montrer au Cameroun que le visage, ce n'est pas un visage de vendeuse de piment. Je dois me taire. Mais si je me tais, les gens vont croire. Oui, parce qu'elle cherche des échappatoires. Et quand il dit que toi tu vends ton piment, je montre. On a les preuves. Donc, si les remèdes sont terminés, on s'arrête. Si ça continue, on continue. Même quand ma mère est morte, la vie a continué. Lui, quand ma mère est morte, on m'a dit que oh, tu vas venir au travail. J'ai dit pourquoi. Il est parce que ma maman est décédée. On m'a dit on a le certificat médical. Sinon, c'est une demande d'explication. La vie continue. Nous appuyons, on appuie. Voilà. Vous stoppez, on stoppe. Vous démarrez, on démarre. Vous vous commencez à garder ça pour membres de vos familles. En venant, tout ça est préparé. Et tu n'as pas le temps dans le ventre, c'est ton problème. Hein? Si on dit stop, on met stop. Moi, je suis fille, je suis free. Je n'ai pas d'adversaire. Mais si on dit continuons, on continue. Les remèdes battent comme ça. Là. C'est plein. Comme c'est plein de choses, c'est plein de choses. Les remèdes battent tantôt. Les... Tout va sortir. Pourquoi on a peur de vous? Qui a peur de vous? Peur, j'ai peur. Je dis vous tous. Les remèdes vont sortir. Après les remèdes, c'est les audios qu'on a enregistrés. Vous allez comprendre qu'il y a les enregistrés de talent. Après, on met les audios. On assume que lui est enregistré. Oui. C'est step by step. Le clash de la stratégie. Tu dis que tu t'as enregistré. M'a dit. Tu es fâché. Saute-tu à la lèvre. À vous l'antenne. On continue le remember. Le soir, je m'assois ici là. Je lance. On arrête le remember. Les remember sont des filles qui ont la tête. Elles ont le cœur. Si vous dites qu'on continue, on continue. Moi, je suis sur le. Je dors sur vos murs. Hein. Je dors sur vos murs. Quand vous dormez sur mon mur, vous êtes dors sur vous. Dès que j'entends le remember, mes plaies. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Confiance, vous avez l'idée. Babito avec la Pasquez, merci pour ton intervention. Merci à toutes. Merci pour votre support. Merci vraiment. Je suis du côté de la vérité. Je suis du côté de la vérité. Merci pour votre soutien. Merci à Victoria. Merci à Soleil Vivé. Merci à Lolo Hélène. Merci à tous les Lolomania. Ne tremblez pas. J'aime dire qu'il n'y a rien en face. Il n'y a vraiment rien en face. À ce soir, dormez sur le mur. Dormez sur le mur. Quel mec plaît, m'envoyez un message inbox pour continuer les hostilités. Ciao. Good morning, mon frère Martial. La vérité gagne toujours. Merci.